Going to other parts of Africa now, French President Emmanuel Macron has welcomed African leaders and the heads of multilateral lenders in Paris for a summit aimed at finding ways of financing African economies hurt by the COVID-19 pandemic and discuss handing the continent's billions of dollars debt. He says Africa has all it takes to succeed, and it has a youth, a productive force, and the ability to take on challenges such as the climate and food emergencies in particular. The summit is part of Macron's efforts to recast France's engagement in Africa, where it was once a colonial power. At a time, the continent faces a near $300 billion deficit by the end of 2023 while trying to recover from the downturn. Que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne, et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Aujourd'hui, il y a la pandémie, il y a d'autres pandémies qui touchent l'Afrique depuis trop d'années, cette crise économique et sociale, et l'épicentre du terrorisme international qui est en train de se déployer en Afrique. C'est pourquoi il est impérieux de pouvoir actualiser nos règles financières en prenant en compte cette charge de sécurité qui pèse sur beaucoup d'États africains, mais aussi en ayant une doctrine africaine de la bonne gouvernance. To reverse what has developed as a very dangerous divergence between advanced economies and developing countries, especially Africa. We have to go back to the strong development Africa had before COVID, for Africa and for the rest of the world. Africa this year is expected to grow only 3.2%. The rest of the world, 6%. We have to boost growth, public and private investments in Africa. And we can do that by mobilizing financing from international organizations, from bilateral donors, and of course from the countries themselves. Nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Parce que vous avez... T'es vu, Paul? Ça va. Emmanuel, tu vas bien? Ça va, toi? Ça va? Hello. Hope you enjoyed the news. Please do subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the notification button so you get notified about fresh news updates.